Papi Mugnagno. Let's go. Alors attends. Ah merde! Attends, ah bah non, c'est. Hop hop hop! Les collections? Attends. En gros, les collections. Non, ça, les collections, t'en fous. C'est les défis qui sont importants. Parce que dans les défis, tu peux prendre des trucs, des récompenses quand t'as fini le truc. Coupure de balai, c'est toi, ouais. Et toi, est-ce que t'as la même armure que moi? Moi, je suis un chevalier, ok? Quête. Obtenir et utiliser une potion de visibilité, ok. Obtenir et utiliser un breuvage contre les ennemis. Ok. Trouver les jetons, ok, ça j'ai pas encore fini. Parler sur le terrain de Quidditch. Tiens, vas-y, on va faire ça. Papi, mais t'as déjà ton balai, toi? Comment ça, t'as déjà ton balai? T'as geeké de ouf? Je m'assois parce que être debout sur le balai, c'est pas ouf. Bébé. Imelda Reyes, Albi Wicks m'envoie. Ah, vraiment? J'imagine qu'il peaufine son amélioration de balai. J'ai essayé de l'aider une fois. Il a critiqué mes techniques de vol, alors j'ai vite arrêté. Quelle audace. Pourquoi essaie-t-il de t'embarquer dans ces histoires d'amélioration de balai? Tu viens à peine de commencer à voler. J'ai entendu parler de votre petit numéro en cours de vol avec Clopton. Ce n'est pas ce qui s'est passé.
On dirait que tu es jalouse. Je ne sais pas ce que racontent les gens, mais je ne fanfaronnais pas. Va dire ça au reste de l'école. Mais ça n'a pas d'importance. Jalouse. Tout le monde sait que ce cours s'adresse aux débutants, aux fauteurs de troubles et aux empotés. Mais pour une raison qui m'échappe, empotés, les gens pensent comme le chaboté. Je ne peux pas le tolérer. Eh bien, c'est peut-être le cas. Tu n'es même pas à Serpentard. Je me demande si tu as ta place dans cette école. Mais assez parlé. Il n'y a qu'un seul moyen de savoir qui vole le mieux. J'ai fait l'un des meilleurs temps sur ce parcours. Voyons si tu réussiras à me battre. Serpentard contre Gryffondor. Tu pourrais m'en dire plus sur ces circuits? Tu essaies de gagner du temps, cinquième année? Soit. Ce parcours nécessite une grande concentration. Il faut anticiper la vitesse et l'altitude avant chaque virage. Les autres servent à tester l'endurance. Il y a 3 parcours au total, construits il y a des années par d'anciens élèves. Depuis que Black a annulé le Quidditch, il ne reste plus que ces parcours. Je leur ai donné une seconde vie et maintenant, toute l'école veut participer. Voyons ce dont tu es capable, cinquième année. Après tout, pourquoi pas? Je pense pouvoir battre ton record. J'ai tellement hâte de te voir perdre. Mais trop la maline, la zébé. Merde. J'adore cette sensation, ça y est. Non, boulette. Ah merde, tout à l'heure j'utilise pas de bouche, hein, trop de balles. Putain. Tout à l'heure j'utilisais pas le boost. Je sais pas si je l'ai battu. T'as dû tricher. D'accord, t'as gagné. Ça c'est Enjoy, elle a trop le seul. Je ne crois pas que ça s'arrête là. Une seule victoire ne signifie rien. Ma victoire signifie sûrement quelque chose. Très bien, tu te débrouilles. Mais tu devras quand même faire tes preuves. Là, j'ai pris mes gouttes pour la gorge là, sa mère, comment j'ai la gorge en feu. Très bien, je relève le défi. Tu n'es peut-être pas si irrécupérable que ça. Eh ouais. Nous verrons. Mais ne te fais pas d'illusions. Le prochain parcours près d'Irondale est un défi bien plus difficile. Tu peux toujours t'entraîner en refaisant ce parcours. Tu peux consulter le classement près du podium. Tu peux y trouver ton temps et commencer la course. Nous verrons la prochaine fois si ta victoire n'était pas qu'un simple coup de chance, tout en faisant une course pour Albiwix. Allô, le classement ? Classement ? Comment ça chez... Monsieur Wix sera heureux de savoir comment je m'en suis sorti. Comment ça, je suis deuxième? Comment ça? Fiche mon gueule, là, tabernacle! Il te manque une épée, monsieur Chevalier. Non, t'inquiète, j'ai ma grosse baguette. Que toutes les routes mènent à Bréolard. J'ai ma grosse baguette qui me sert d'épée.
voilà. Avec des nouvelles, j'imagine. Monsieur Wicks, j'ai gagné une course avec mon balai. Incroyable! Miss Reyes n'a pas dû en revenir. Alors, dites-moi, comment était le balai? Il est un peu turbulent, et il recherche beaucoup la vitesse, mais ça s'est bien passé. Il avait tendance à virer légèrement à gauche dans certains virages. Je l'ai entendu siffler quand j'ai plongé. Oh, merci! C'est exactement ce que j'avais besoin de savoir. Alors comme ça, il dévie. Je vais me mettre au travail immédiatement. Même les plus sceptiques seront forcés de reconnaître que mon travail ne manque pas de potentiel. Pourquoi douterait-on de votre capacité à améliorer des balais? Ah, vous n'avez pas idée. Les gens sont très ancrés dans leurs habitudes. Ils pensent qu'en modifiant quelque chose de fonctionnel, je pourrais le rendre inutilisable. Ces gens-là ne se rendent pas compte de la liberté qu'offre un vol sur balai de qualité. Ni, d'ailleurs, de tout ce qu'implique le processus de création. J'ai un ami à Rome qui tient une boutique semblable à la mienne. Apparemment, c'est encore pire là-bas. En même temps, de ce que j'ai entendu, ils font la sieste l'après-midi. Et où en serions-nous sans mes améliorations? Je veux dire, si Elliot Smevic s'était laissé décourager par ses détracteurs, le sortilège de coussinage n'aurait jamais vu le jour. Alors, je ne les écoute pas. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus. J'ai un bon pressentiment au sujet de cette amélioration. Je suis certain qu'elle vous plaira. Je vous contacterai très bientôt. Intérêt, ouais. Attends, je vais enlever l'armure. Comment parce que vas-y. Je dis au mieux altitude et c'est... Je vais enlever mon armure. Il fait un peu froid dedans. Merde. Ah! Bonjour. Allez. Faut que je fasse ce truc là aussi. C'est laquelle? Celle-là. Fourrier. Des bougies. Faut que j'utilise l'humos pour allumer les bougies. Pas d'un pont. Ça c'est quoi? Ça représente Crawler? Pourquoi je peux pas voler? T'es marqué mon balai? Comment? Ah je peux pas voler. Ah non je peux pas voler ici. Je suis con. Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préolard? Tiens tiens tiens. Rebellion. Je sais pas si c'est ici.
C'est pas ce pont là. C'est clairement pas ce pont. Là, il y a un pont. Là, il y a un pont. C'est pas ce pont. Oh, mais c'est la gare. Réveillon. Bonjour. Que pro... Oui, bien sûr, mais... J'explore un peu la région, c'est tout. Je vois. Cela fait du bien de temps en temps. Je suis moi-même un explorateur, voyez-vous. Je m'appelle Léopold Babcock. Et j'ai effectivement des choses à vendre. Et pour quelqu'un comme vous, également enclin à l'exploration, je ne peux que souligner l'importance d'avoir une potion Wiganweld sous la main. Je n'oserais pas m'aventurer dans un endroit comme la forêt interdite sans quelques réserves. Qu'en pensez-vous, mon enfant? Vous en voulez quelques-unes, au cas où? J'y réfléchirai. Merci pour votre aide, monsieur Babcock. Très bien. Dites-moi si quelque chose vous intéresse. Qu'avez-vous en vente? Voyons si vous trouvez ce qu'il vous faut. Wesh. C'était un... Voyons quel tour tu as dans ton sac cette fois, Merlin. Et à eux, Alexia. Ça toujours quoi? C'est quoi ça? Inside. Attends, il y a un, deux. Il va y avoir un autre pilier quelque part. Rébellion. Ah là. Incendio. C'était pas si compliqué finalement. Pas, pas, pas. Ok. Bon. Faut que je trouve ce pont là. Ça. Ça. Alors la nuit. Forêt.
Ça, je vois pas c'est quoi ça. Près d'un truc de TP, je pense. Près d'une ville. Avec des ruines, un pont, avec de l'eau en dessous, des bougies éteintes et qu'il faut que j'allume avec Lumos. Tombeau de Choukas. Allez donc. Là, il y a des ponts. Près d'une forêt, c'est quoi ça? Là, je sais plus où je l'avais pris cette quête. Il n'y a pas écrit sur la feuille vers où exact. Carte avec des bougies flottantes. Dans le cimetière de Préolard. Là, Préolard. Le cimetière, il est là. Je crois. Ouais. Enfin, je crois que c'est le cimetière. Attends. Arène de combat de magie noire. Starfoula. Ah, c'est sûr, c'est là-bas. Hein. Projet là-bas. Là. On va voir ce qu'il y a avant. Faut que je vais voir là-bas. Là. Préolard, me voilà. Ça fait quoi de beau là avec ça? Ah, je crois que le cimetière c'est là. Ah, le pont il est là. Des bougies volantes. Revelio. Après, faut que ça soit la nuit. Ok, cimetière, c'est bien là. C'est la nuit. Donc là, il y a le pont. Il faut que je trouve, c'est le... Le mur, là. Il y a juste ça, là, que je vois pas. Et il y a comme un truc de TP à côté. Attends. Ah, c'est sur celle-là. Hein. Je crois que je vais passer à la nuit. Bah.
Hop. Ok. Des bougies. Lumos. Ils se font des passes avec une tête. Bon. Ah là, il y a le pont aussi là. Ah. J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Préolard. C'est quoi ici? Rebellion. Dans la toune. Ici. Lumos. Pop, pop, pop. Ah, j'ai mal au cou, ça m'en fout. Demain, je vois mon ostéo là. C'est bon, tranquille. Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préolard? Action.
Ah, je trouve pas. Merde. Revelio. Que vous mijotez. Lumos. J'arrive pas à savoir c'est où. Rebellion. Moi je l'avais même pas eu ça. Tombeau du villageois. Est-ce que c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Bon, ça, je l'ai pas vu. Oh, d'accord. Que personne n'ait vu ça. Revelio. Incendio. Très
trop intelligent pour vos énigmes. Oh, un chaton. Ah, un chaton. Un chapeau non identifié, mon premier. Je l'identifie chez moi, là, dans le truc. Tiens, attends, c'est quoi tout ça, là? Et je l'ai de non identifié, il a un truc dessus, en plus. Ah, j'ai un truc non identifié encore aussi. Attends, je peux pas sortir? Voilà. Non. Bon, je crois pas que c'était le trésor de la carte, par contre. Je crois pas. Ah non, ça n'a rien à voir. Ça, la forêt, c'est... Je crois que c'est pour dire qu'en gros, il doit faire nuit. Ça, en fait, j'arrive pas à le trouver, ça. C'est genre un truc vers l'entrée d'un village. Il y a un pont. Il y a des bougies qui survolent. Le truc, c'est ce portique-là, je le vois pas. C'est pas là-bas. C'est pas ça. Ah, c'est quoi ça? Bonjour, je suis à vous. C'est quoi tout le truc qu'il a là-dedans, lui? Je peux pas porter. Lumos. Et boursouffle. Il m'en faut plein, ça, en fait.
compliqué cette putain de truc du pont là. Que me réserves-tu cette fois-ci ? Action ! Moi ça va, je peux l'éviter. Action. Voilà, c'est réglé. C'est quoi ici? Ah mais c'est prévu là. Là. Il n'y a rien avec ça, hein, d'accord. Ça fait des jours que je dors mal. Je sais pas si tu peux faire de la reproduction et tout, parce que t'as... Genre ça, c'est des pets qu'on peut avoir après, en famille, enfin, en famille et tout, là. Qu'on peut apprivoiser et tout. Mais t'as des mâles et des femelles. Du coup, je sais pas si on peut les reproduire.
Je l'ai pas déjà ouvert lui. Ah non. Préparons. Bien. Lumos. J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Préolard. Ici. Ah, bonjour. Quel style aimeriez-vous arborer aujourd'hui? Bonjour. Oh, ah, c'est un truc pour te changer de coiffure et tout. De Madame Snelling. Vous avez sûrement déjà entendu parler de moi. On m'appelait Snelly. Oh, Snelly, pourquoi n'essayes-tu pas de devenir Aurore? Alors, qui rigole maintenant? Ils prennent tous la poussière au ministère, pendant que moi, je vis mon rêve. Mais regardez-vous. Oh là là, regardez-vous. Je comprends pourquoi vous avez décidé de venir. Oh la putain, scamé. Oh, c'est chaud. Quoi? Changer de tête carrément? Non, je garde ma tête. Je sais pas ce que vous aviez en tête, mais je suis bien comme ça. Certains souhaitent avoir l'air d'un moldu sur son lit de mort, pour un style gothique, vous voyez? Et vous ne trouverez pas de poison ici. Nul besoin de chlorure de chaux ou d'ammoniaque quand on a la magie. Pourquoi ne pas prendre un moment pour décider de ce que vous voulez? Vous pouvez aussi changer de coiffure si vous le souhaitez. Quel service proposez-vous? De quoi avez-vous besoin? Ouais. Pas changer la voix. Dommage. Revenez quand vous voulez. Réveillez. Ah, je reviens jamais. Ça, c'est pas encore ouvert, ça. On a pas encore les pets et tout. Mais bien la thune, hein. Je peux pas voler ici. Ah zère. Tu vois de tellement loin, c'est une dinguerie. Réveillon.
Je sais même pas où je vais là. Je rentre dedans, ça. Les habitants d'Aïe. Ah ouais. J'aurai un travail normal. Je suis un pilote du balai. Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. Oh, y'a masse d'ennemis là. C'est des zombies chelous, wesh. Les gars. Deux sortes de feu. Ah merde. Incendio. Aïe. Force au serveur. Je regrette pas de l'avoir pris, sa sorte de feu. Surtout avec ces mobs là, du coup. Ah, c'est comme ça qu'on a les crânes, du coup. Ah putain. On va y aller. Oh, ça a l'air de puer du cul là en bas. On va aller voir. Ces pierres ont connu des jours meilleurs. Comment c'est dark de fou. Ah, y'a un bouclier. Je peux pas rentrer, je suis deg. Je sais pas où je suis là, mais... C'est dark de fou. C'est quoi c'est ? Et dégage ta mère, toi. Action.
Ugh. Quel dommage d'être aussi répugnant. Incendio. Ces derniers. Incendio. Incendio. Protego. Incendio. Voilà. Voilà chaud. On a besoin de trucs d'araignée, faut venir là. Plein de petites araignées, ça passe bien. Aïe, culé. Incendio. Huit pattes, c'est trop pour moi. Bien cette merde. Incendio. C'est surprenant, vous les. Oh, ça se fait de ouf. Je ne vivrai pas.
Ça se frite avec qui là? Ah, des mages avec un... J'ai mis que ça. Aïe. Oh mes potions par contre quand même... Non putain, je me fais baiser. Fais baiser. Voilà, ta mère. Des crottes de nez. Réveille-yo. Ok, je commence à avoir un peu de thunes. J'ai... Ah oui, il fallait que j'achète des graines. Avec le truc maintenant. C'est bien, je peux courir un temps invisible. Ça, c'est... Ah, mais un porte-monnaie en poil de licorne, ça rapporte quelques galions. Il n'y a rien à braconner à Arancher. À part éventuellement, je pourrais me rendre utile. Si je te vois essayer de me... seront bien plus en sécurité à présent. Je sais ce que cela représente. Une épreuve de Merlin. Ah merde, j'ai pas de... J'ai plus de plantes. Revelio. Incendio. Mais non, mais ça c'est pour l'épreuve. Mais je peux pas la faire. Peut-être ça. Ça pour 4$ là, tu te fous de ma gueule. Attends, y'a pas de... de TV là. Ah si, y'en a un là-bas. Vas-y, je vais aller chercher ça. Et je vais aller acheter des graines et faire pousser dans ma truc.
Incendio. Grotte là. On peut descendre encore. Alors je dois utiliser un sortilège. On va utiliser un sortilège comme ça. Garde tes maléfices. J'ai entendu de quoi. Tu vas payer pour ce que tu fais. Mais il me sélectionne même. Et pourquoi il... Oh, je vais le baiser, frère. Je sais pas pourquoi il attaque l'autre là-bas, mais. Et pourquoi? C'est chiant des fois, genre je cible pas mais ça me cible tout seul. Je sais pas c'est quoi ça. Ça fait l'image du genre là, ça fait l'image de ce sort là. Ah celui-là je l'ai pas encore. Le Halo Mora pour ouvrir les trucs et tout. Rebellion. J'ai du stuff à révéler là. Ça va m'être bien ça. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été incluse. Alors attendez. Ouais, c'est moins bien. Moins bien aussi. Là ce qu'on va faire c'est on va les vendre et après on va les on va aller acheter les graines. On vend, on achète les graines qu'on avait planté et découvrir les stats des items là que j'ai eu là. Plus accueillant que Préolar. Bien le bonjour. Je vous en prie, prenez votre temps. Alors. Surtout que je me plains pas avec. Vous avez vraiment le sens des affaires. Voilà. Et ça me le faut. Si je peux vous aider, je prends tout. N'hésitez pas à me faire signe. Voilà.
L'engrais, ouais. Je sais pas si c'est bien. Vas-y, on va les prendre. On verra bien. On ne m'accusera jamais d'avoir des rayons vides. Hop, salle sur demande. Pas trop d'outils est pleine. Ok. Cool. J'en ai combien? J'en ai 12. Je peux en avoir 12 sur moi. Là, faut que je fasse ces plantes là. Hein. Quoique, attends. C'est du combien? C'est du 5. Alors là, j'ai 2. Non, vas-y, ça là, je vais les enlever. Attends, il me manque des trucs là. Attends. Bon, attends. Ça va faire quoi ça? Potion d'invisibilité. Okay. Je peux pas faire les autres que je veux en fait. Là. Je vais en laisser 3. Ah, c'est ça qu'il me faut. Ah, il faut des tailles de peau inadaptées. Merde. C'est des grandes plantes. Je crois que j'ai pas de... Je peux pas faire pousser des... Ça c'est des moyennes. Ça c'est des grandes.
Tom Parchemin. Attends, je dois révéler mes items là. Hop. Ok. Merde. Ok. Ah puis là-dessus, j'ai dégâts accrus de Expelliarmus. Sur celui-là. Ah ouais. Par contre, ouais. Dégâts crus de Andoloris. Je l'ai même pas Andoloris encore. Et je crois que c'est un sort. Andoloris, c'est le truc de torture, ça. Toujours. Ça, dégâts infligés par les mages noirs réduits. Ok. Truc de défense. C'est fumé. Je n'ai rien à utiliser là-dessus pour le moment. Faut que j'aille racheter des plans là. Affreux là. Il me faut les grands pots et moyens pots, ça serait bien. Préolard, me voilà. Dites-moi s'il y a quelque chose que vous cherchez en particulier. Allez. Déjà. Alors ça c'est les grands 3000. Là t'as un seul grand pot. Ah je vais attendre. Hein. Là t'as deux mini de deux grands pots. 3000. Là c'est des pots moyens. Deux pots moyens, trois pots moyens. Ça, c'est les petits pots, on s'en branle. Potion moyen. Permet d'invoquer un compose. Ah, je peux créer de l'engrais moi-même avec ça. Permet d'avoir une marmise. Ok, ça fait des popos. Oh, c'est fumé ça. Ça fait des pierres de lune. Bon, on va faire ça pour faire du compost en vrai. Ça, c'est quoi ça? Permet d'invoquer une table munie d'un grand pot. Ok. Permet d'invoquer un poste de potion moyen. Il vous sera utile pour préparer toutes sortes de potions. Et moi, je crois que j'ai déjà le grand. Ça me sert à rien, ça. Trois petits pots, ça me sert à rien aussi, vu que j'ai celui qui fait cinq petits pots, moi. Je vais prendre directement les trois pots moyens et les deux grands pots. Ouais.
Ça me les faut. On va prendre ça. Rien de tel que de trouver exactement ce que l'on cherchait, n'est-ce pas? Et lui va nous faire de l'engrais. Ce truc là. Attends. Voilà. L'engrais. Je peux en mettre 3. On va les mettre pour l'instant. Un, deux. Ah merde. Bah si, pourquoi je peux? Attends. Attends. On va ça. Voilà. Alors ça, j'en ai 3,5. Ça, je pourrais en mettre un. J'ai pas assez de... Qu'est-ce que je vais faire? Voilà. C'est plus important. Hop. Est-ce qu'il bouge les tableaux? Ah ouais, c'était mon stylé. Et attends, je prends ces deux trucs là. Ah mais ça me donne des trucs au hasard ça. Mais c'est trop cheaté. Je pensais que ça donnait à chaque fois un truc. Mais non, ça donne n'importe quelle plante. Trop bien. Qu'est-ce qu'on a à faire là? Ouais, ça je sais pas c'est où, faudrait que je regarde. Ça, ça rien. Alors là, faut tenir et utiliser une potion d'invisibilité, ok. Faut tenir et utiliser un breuvage contre des ennemis. Alors j'ai utilisé un breuvage contre des ennemis, mais ça n'a pas compté. Qu'est-ce qu'ils entendent par breuvage? Oh, j'ai pris ça pourtant. Ah non, c'est ça, breuvage. C'est fumé ça. Ah mais je peux en faire un en plus. Potion d'invisibilité, voilà.
Là, faut que j'attende que ces deux-là ils se finissent. Je ne prétends pas être expert en la matière, mais si semble prête. Ah. Allez. Carte du monde. Ah, j'ai des quêtes de ouf là-bas. Récompense. Truc d'invocation. Ah, je peux pas me TP. J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Préolard. Alors attends, que je me gourre pas pour l'instant. On va mettre ça. A été abandonné il y a longtemps, c'est certain. Rebellion. Une douzaine d'humains à combattre, je les tuerai tous. Les humains partent en courant quand ils me voient, à chaque fois.
qui y vit. Je me souviens de vous. Votre générosité m'a aidé à financer cet instrument exotique. Mardolph Beaumont devrait déjà être revenu. Il a été pris par les mages noirs. Revelio. Non. Les fidèles de Ranrock sont très dangereux. Que pouvons-nous faire? Je peux pas, là, je vais pas pouvoir assez. Assez. Revelio. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Dommage que Bardolph ait cru que la magie noire était la solution. Je parie que Rockwood n'est pas étranger à sa disparition. Je vous ai entendu par hasard. Vous avez parlé des fidèles de Ranrock ? Oui. Oh, je ne les pensais pas si dangereux. Au fait, je m'appelle Claire Beaumont. C'est un plaisir. Ranrock et ses fidèles ont établi leur camp ici. Sans égard pour notre joli hameau, ni pour nos conditions de vie. Ils sont sans pitié. Mon frère Bardolph a osé leur tenir tête, et il a fini à Sainte-Mangouste. Je suis à bout de nerfs. Votre frère Bardolph s'est retrouvé à Sainte-Mangouste. Oh. Bardolph avait passé la journée à ramasser des herbes et des racines pour nous. Il est alors tombé sur un groupe de fidèles de Ranrock. Il voulait prendre toute sa récolte, mais Bardolph a refusé. Dans leur colère, ils l'ont projeté contre un rocher et lui ont volé ses herbes. Oh. Dès sa sortie de Sainte-Mangouste, il a juré de se venger. Oh. J'ai peur qu'il s'intéresse à une forme de magie qu'il pourrait regretter un jour. Vous avez dit que les fidèles de Ranrock avaient établi leur camp ici. Où ça exactement ? Au sud, au-delà de la rivière. Aux dernières nouvelles, chaque campement abrite plusieurs fidèles. Je ne m'en approcherai pas. Pourquoi ne pas simplement quitter la région ? Camp Polar en haut est mon foyer. Bardolph et moi y avons grandi. Non, nous restons campés sur nos positions. Une fois que mon frère sera rentré, nous déciderons quoi faire. Il est allé demander conseil à Victor Rockwood. L'idée ne me plaisait pas, mais peut-être qu'il pourra nous aider. Malheureusement, les fidèles de Ranrock n'ont plus de secret pour moi. Je peux peut-être vous aider. Oh, je serais ravie d'en être débarrassée, mais je ne voudrais pas que vous vous blessiez. Ou pire. Faites attention. Nous ne devrions pas avoir à vivre dans la peur. Nous sommes ici chez nous. On dirait que la situation se dégrade. Bardolph Beaumont devrait déjà être revenu. Il a été... Excusez-moi, vous avez mentionné un Bardolph Beaumont ? En effet, je ne crois pas que nous nous connaissions. Je m'appelle Dorothy Sprottle. Je m'inquiétais pour Bardolph, le frère de Claire Beaumont. Il s'avère qu'il a disparu. Il aurait été vu dans la forêt en train de pratiquer la magie noire. Et je l'ai aperçu près des ruines avec Rockwood et sa bande. Je crains qu'il ait eu des ennuis avec les serpents cendres. Surtout s'il leur a fait une promesse qu'il n'était pas en mesure de tenir.
Vous savez, je l'aurais bien aidé à le chercher, mais j'ai tellement peur de tomber sur les fidèles de Ranrock. Ils sont partout en ce moment. Pourquoi Bardolph voudrait-il se mêler des affaires des Serpents Cendres ? Oh, il a fait une mauvaise rencontre avec les fidèles de Ranrock. Ça l'a métamorphosé. Il s'est juré de ne plus jamais se sentir vulnérable. Je pense qu'il voulait que les Serpents Cendres lui révèlent leurs secrets. Il semblerait que Victor Rockwood ne soit pas dérangé par les fidèles de Ranrock. Serait-il possible que Bardolph soit simplement parti ? Non. Bardolph a toujours tenu cette boutique avec Claire. Il ne l'abandonnerait pour rien au monde. Il lui a dit qu'il serait de retour dans la quinzaine. Mon instinct me dit qu'il s'est fait capturer, ou pire. Je pourrais partir à sa recherche ? Toute aide est la bienvenue. Peut-être devriez-vous parler à Claire ? Elle aura sans doute plus d'informations que moi. Je peux vous dire que Bardolph a été vu pour la dernière fois dans la forêt. Il portait un pull en laine assez particulier. C'est Claire qui le lui avait tricoté. Claire doit se trouver dans sa boutique si vous voulez lui parler. Ça m'intrigue. Ah oui, mais il y a Kanna, je suis con. Les deux, je peux pas là. Action. Incendio. C'est une fabuleuse porte à pull en l'air. C'est sur la barre. Incendio. Merde. Je vais l'utiliser. Merde. C'est fumé, lui. Des sortes de fous. Un extrait du journal de Bardolph. Il a entendu des rumeurs sur un plan le concernant.
Je devrais regarder ça de plus près. Question bête, mais comment tu fais pour ajouter plus de raccourcis de sort? Alors, c'est un truc que t'as pas encore. Tu veux que je te montre ou je te montre pas? Tu me dis. Je peux te montrer si tu veux. Mais en gros, c'est un truc que tu vas débloquer avec une quête, en gros. Non, t'inquiète. Rebellion. Après, si tu galères vraiment, tu me dis. Mais c'est quelque chose que tu vas débloquer avec des quêtes. Il y avait un truc avec ça. Action. Incendio. Expelliarmus. Ah oui, non, c'était. On va voir. Ah. Je crois que j'ai plus de trucs. Vas-y, épreuve de Merlin. Est-ce possible? Une épreuve de Merlin? Ah, j'ai plus. Qu'est-ce qu'il faut là, lui, il est partout. Attends, je vais chercher le truc là-bas. Vous avez besoin d'aide? J'ai failli être attaqué par des loups. Je m'en suis tout juste sorti. Je dois être mieux préparé à l'avenir. J'aurais bien besoin de breuvage. J'imagine qu'un élève comme vous ne serait pas en possession d'une telle chose. Je crains que non. J'aimerais vous aider, mais je n'ai rien sur moi. Eh bien, tout ceci est bien dommage. Vous devriez penser à mieux vous préparer. Quel manque de bienveillance! Je suis enculé, elle. Les vieux sont. Mais. C'est bâté. Non, mes potions de soins, ils sont tellement tanky maintenant. Bien. Ah, je suis un connard. Les crabes, enfin les crapauds, comment ils tankent leur mère. Dingue. Ah oui, je suis parti loin de ouf. Merde. On dirait que ce lieu sort tout droit d'un livre de contes. Un
J'espère vraiment que mon... Madame Beaumont, je crois bien que j'ai du nouveau sur votre frère. Bardolph ? Que savez-vous sur mon frère ? Je crains qu'il ait rejoint les Serres pour Cendre et qu'il ne tienne pas à revenir. Quoi ? Non, non, c'est impossible. Il voulait juste leur demander de l'aide, c'est tout. Toutes mes excuses. J'aurais aimé vous apporter de meilleures nouvelles. Portez-vous bien, Madame Beaumont. Qu'aurais-je pu faire de plus ? Oh, pardon. Chaleuse, va. Faites attention. Les fidèles de Ranrock se sont installés juste au-delà de mon quartier. Pardon. Tu ne serais quand même pas parti sans dire au revoir, n'est-ce pas ? On m'a toujours dit que... Je pète des camps de gobelins. C'est où ? Non, tu bâtard. De tes erreurs. Et un campement détruit. Plus qu'un. Revelio. Gentil à toi de passer. Il n'y a toujours rien à signaler si ça intéresse quelqu'un. Attends. Parfait. Tu verras. Il y a quelqu'un ici. Incendio. Merde.
détruit. Madame Beaumont sera contente de l'apprendre. Revelio. L'endroit semble être assez agréable. L'effervescence me manque. Bonjour, Madame Beaumont. Bonne nouvelle, j'ai éliminé les campements de Ranrock. Vous nous en avez débarrassé ? Comment ? J'ai simplement réussi à les surprendre. Oh, j'aurais aimé que mon frère connaisse le même succès. Il serait peut-être encore à mes côtés. Je vous suis très reconnaissante. Vous avez vengé Bardolf quand je ne le pouvais pas. Vous avez sauvé notre hameau. Nous ne l'oublierons jamais. J'ai peur pour les autres hameaux. Vraiment. Ranrock et ses fidèles ne sont pas comme les autres gobelins. Que proposez-vous à la vente ? Bardolf, un serpent. Merci beaucoup. Vraiment. Bardolf, tu ne serais quand même pas parti sans dire au revoir, n'est-ce pas ? Merveilleux. J'en ai toujours besoin. Pardon. Tu ne serais quand même pas parti sans dire au revoir. Nouvelle baguette. Ouh. Oh, ça va trop bien avec ma baguette, ça. Tabernacle. Que recherchez-vous exactement? Merci d'être passé. Wow, level 21. C'est quoi ça? C'est fumé ça? Yeah.
Ah ouais, Chloé. Ça ou quoi? Extension d'inventaire. Oh, je dis oui, monsieur. Ah, oh, ça carie les épreuves de Merlin, en fait. Super, je suis bourré, mais ça va, et toi? Ah, oh, ouais, bourré, là, c'est chaud. Qu'est-ce que t'as fait encore? Je peux avoir combien là du coup de d'équipements? 28. Ok. Oh, bonjour. Je ne me remets toujours pas de... Et deux barres, ça m'a couché. Bravo. Ça, j'arrive pas à trouver où c'est, ce truc de merde. Faut que je retourne voir lui là. Le prof. Il est bien le jeu. Ouais, franchement, il est insane. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un bon jeu comme ça, quoi. C'est une dinguerie. Et si tu kiffes l'univers Harry Potter, tu vas kiffer encore plus. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie de... Ah bah tu vas kiffer alors. Et le jeu est ouf, même pour quelqu'un qui est pas trop fan de l'univers Harry Potter. Hein. Avez-vous terminé vos devoirs? J'ai terminé ce travail, professeur. Eh bien, j'espère que vous vous appliquez. Les raccourcis mènent bien souvent à des déceptions. Oui, monsieur, bien sûr. Bien. En temps normal, j'aurais dit que je m'en moque éperdument, mais vous... Je veux vous préparer comme il se doit. Le talent et la volonté forment un duo redoutable. Il serait dommage de ne pas en tirer parti. Merci, professeur. Tâchez de ne pas prendre la grosse tête. Bon, voyons votre Diffindo. Préparez votre baguette. Concentrez-vous. Diffindo peut être dangereux si vous ne prêtez pas attention. Beau travail. Je pense que vous avez compris comment fonctionne Diffindo. Je vous encourage une nouvelle fois à vous entraîner en classe pour votre sécurité. Vas-y, ça marche, je des bisous. Oh, passe-toi bien. Décuve bien. Professeur Sharp, auriez-vous... J'ai vu un badge d'Aurore sur votre bureau et je me demandais si vous pouviez m'en dire plus sur votre carrière. Vous avez l'œil. J'imagine que je peux vous en dire plus.
J'ai passé des années à retrouver des malfaiteurs qui faisaient du trafic d'artefacts de magie noire. Vas-y, des bisous, ok. Cela me paraît plus dangereux que d'enseigner les potions. C'est souvent le cas. Même si j'ai vu des concoctions particulièrement créatives élaborées dans mon cours. J'ai connu beaucoup de succès en tant qu'aurore. Cependant, le succès peut entraîner l'arrogance si notre assurance n'est pas tempérée par notre humilité. Il a suffi d'un rien pour tout changer. Je peux vous demander ce qui s'est passé ? Oui, je suppose que cette histoire est connue. Mon partenaire et moi-même avons suivi un suspect jusqu'au port de Scarborough. Il faisait de la contrebande de têtes réduites de toutes sortes. J'en avais déduit qu'il travaillait seul. Mais je me suis trompé, et il nous attendait. Lorsque nous sommes montés sur le bateau, eh bien, j'ai tout juste réussi à m'en sortir. Mon partenaire n'a pas eu cette chance. J'imagine qu'être aurore est extrêmement dangereux. Pardon. Non, c'est comme ça. Mais la survie n'est garantie pour aucun d'entre nous. Vous devez prêter attention, et pas seulement dans mon cours. C'est ce que je veux vous faire comprendre à tous. Un souffle sépare une potion d'un poison, jusqu'à ce que vous le consommiez. Bien dit, professeur. Là, du coup, je commence à avoir des sorts, mais je sais pas lesquels utiliser. Entaille. Parce que ça c'est trop fort, ça, contre les ceux qui ont des baguettes et tout. Ou des armes. Ça les désarme et tout. Ça c'est grave fort. Je sais pas si j'avais pris une amélioration de ce sort. Après je crois que j'ai une amélioration de base avec. On va rester comme ça pour l'instant. On va le tester. C'est un plaisir d'avoir un élève qui suit scrupuleusement. Ah oui, ok. Ah, ce sort-là, il est pété. Wish. Ok, donc ça c'est bon. Ouais, je trouve les clés aussi. À Poudlard là. Ah, j'ai toujours pas le premier sort pour ouvrir les verrous, genre, le moral. Sébastien, ça faisait longtemps. En effet, content que tu aies reçu mon hibou. J'ai quelque chose à te montrer. Avant tout, je voulais te remercier pour la bibliothèque. Aucun problème. Scribe a essayé de me mettre en retenue,
Mais je sais comment y échapper. Mais tu t'es quand même dénoncé à ma place. Ce n'est pas rien. Est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais ? Oui, mais il manquait quelque chose. Je pense qu'il vaudrait mieux en discuter ailleurs. D'accord. On pourra en parler dans la crypte. Même les professeurs ne connaissent pas l'existence de cet endroit. Par ici. Il y a un passage secret juste ici. Il est bien caché. Ah, je me disais bien qu'il y avait un truc ici. Comment as-tu trouvé cet endroit ? Grâce à mon ami, Ominis Gaunt. Il appelle Rébellion. On jouait souvent au Bafboul ici, avec ma sœur, Anne. Elle adorait ce jeu infernal. Je donnerais n'importe quoi pour perdre contre elle à nouveau. Écoute, j'ai promis à Ominis de protéger cet endroit. Alors, il faut que ça reste entre nous. Il ne se confie à personne. Et pourtant, il me fait confiance depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Je ne voudrais pas que ça change. On se faufilait ici presque tous les jours. On ne s'est jamais fait prendre. Je crois avoir vu Ominis en cours de potion, ou de botanique. Comment a-t-il trouvé cet endroit ? Oui, mais je ne sais pas comment il fait. Ominis est né aveugle, et aucun sortilège ne lui rendra la vue. C'est comme si sa baguette avait sa propre conscience. Après tout, Ollivander dit toujours que c'est la baguette qui choisit son sorcier. C'est comme ça qu'il a trouvé cet endroit ? Quelqu'un de sa famille l'avait découvert. Les Gaunt ont bien des secrets. Je n'ai jamais entendu quelqu'un d'autre en parler. Et je n'ai jamais vu personne d'autre ici. Je le répète, mais ne dis rien à personne. Et encore moins à Ominis. Il n'apprécie pas sa famille et leurs secrets. Mais cet endroit lui est cher. Oui, j'ai compris. Mais pourquoi Ominis n'apprécie pas sa famille ? La famille de son père descend directement de Salazar Serpentard, l'un des quatre fondateurs de Poudlard. La plupart d'entre eux sont obsédés par la pureté du sang. Ominis ne les supporte pas. Il sera le premier à te le dire. Enfin, la crypte est l'endroit parfait pour échapper aux regards indiscrets. Et pourquoi pas s'entraîner à quelques sortilèges interdits. Vraiment ? Comme quoi ? Comme le maléfice explosif. Selon les professeurs, ce sort ne devrait pas être enseigné aux élèves. Ça me semble dangereux comme sort. On croirait entendre Ominis. Il n'aime pas beaucoup les sortilèges interdits. Même s'il a bien aimé celui-ci. Un sort comme Confringo n'est dangereux qu'entre des mains inexpérimentées. De tels sorts devraient être enseignés, pas interdits. Pour être honnête, j'ai tendance à préférer les types de magie plus explosifs. Mais tu devrais l'apprendre. Je peux te l'enseigner en toute sécurité ici. Il faut parfois un certain temps avant de bien sentir les choses. Reproduis le mouvement de ma baguette. L'incantation est Confringo. Très bien. Tu progresses ? Tu veux faire un essai pour de vrai ? Vise seulement les cibles. Mieux vaut ne pas endommager la crypte. Essaie sur ces candélabres. Même si chacun de ces sorts a son utilité... Confringo ! Bravo ! Comment tu te sens ? Ça brûle un peu. Tu t'y habitueras. Voilà ! Je crois que j'ai compris. Je dois avouer que c'était amusant. La première fois qu'Ominis et moi avons essayé Confringo, on s'est brûlé les sourcils. J'aurais payé pour voir ça. Je n'oublierai jamais ce moment. Et pourtant, je trouve encore que ce sortilège a quelque chose d'addictif. L'explosion produit beaucoup de chaleur. Ça m'étonne pas pour vos sourcils. Tu finiras par t'y habituer. Avec Anne et Ominis, on s'entraînait ici pendant des heures. La crypte était notre refuge. Je n'étais pas venu depuis longtemps. Ce n'est pas pareil sans Anne. Je suis désolé pour ta sœur.
Si je peux faire quoi que ce soit... La prochaine fois que j'irai à Feldcroft, tu pourrais peut-être venir pour rencontrer Anne. Ça lui changerait les idées. Préviens-moi et je t'accompagnerai. Poudlard lui manque. Elle est coincée à la maison avec notre tuteur, mon oncle Solomon. Malheureusement, tu vas également le rencontrer. Je suis sûr que rencontrer un nouvel élève lui fera du bien. J'ai hâte de faire sa connaissance. Parfait. Au fait, qu'est-ce que tu ne pouvais pas me dire tout à l'heure ? Je ne sais pas par où commencer. Tu as dit qu'il manquait quelque chose dans ce que tu as trouvé dans la bibliothèque. Est-ce que ça aurait un rapport avec Victor Rockwood ? Il ne t'a pas du tout pris pour quelqu'un d'autre après Hollard. Rien ne t'échappe. Tout ce que je peux te dire, c'est que Rockwood et Ranrock essayent de récupérer quelque chose. Ils pensent que c'est moi qui l'ai volé dans un coffre à Gringotts. Gringotts ? Quand est-ce que tu y es allé ? Le professeur Fig et moi avons atterri là-bas après l'attaque du dragon. Il y avait un port au loin. Un port au loin ? Vers Gringotts ? Eh bien, c'est un peu difficile à expliquer. Je t'écoute. Tu dois me promettre de ne rien dire. Je t'ai fait confiance en te révélant le secret de cette crypte. À ton tour maintenant. Très bien. Je vois des traces de magie ancienne. Une magie ancienne ? Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais certainement pas à ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Franchement, je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est que je vois des traces d'une magie ancienne qui échappe aux autres. Fig et moi pensons que Ranrock a trouvé un moyen de maîtriser la puissance de cette magie. Tu es en train de me dire que les gobelins manient peut-être une sorte de magie de sorcier ? C'est ce qu'on essaie de découvrir. Et cette capacité que tu as, elle te permet aussi de manier cette magie ? Je ne sais pas. Préviens-moi quand tu auras décidé. J'étudie la magie archaïque depuis un sacré bout de temps. Peut-être qu'on pourrait s'entraider. En attendant, puisque Rockwood et Ranrock en ont après toi, tu devrais passer plus de temps à t'entraîner au maléfice explosif. Tu peux rester ici autant que tu le veux. Et souviens-toi, ne parle à personne de cet endroit. Quand j'irai à Feldcroft, je t'enverrai un hibou. Salut, Sébastien. Attends... Toi, là. Je t'entends. Oh, bonjour. Hominis, c'est ça ? Je crois qu'on est ensemble en cours de potion. Et de botanique ? Je reconnais cette voix. Je vous ai entendu parler, Garrett Weasley et toi, en cours de potion. Tu es la nouvelle recrue de 5e année. Tu viens de sortir de la crypte ? Comment tu as fait pour entrer ? Cette salle s'appelle la crypte. Ah, j'explorais les environs quand j'ai trouvé par hasard un passage étrange. Ne me mens pas. Personne ne trouve cette pièce par hasard. Sébastien t'en a parlé, c'est ça ? Si tu dis un mot au sujet de cet endroit à qui que ce soit, même ton précieux professeur Fig ne pourra rien pour toi. Mon père est ami avec le directeur. Je n'hésiterai pas à en profiter si cela s'avère nécessaire. Fais-moi confiance, Hominis. Je ne dirai rien. Et Sébastien est un ami fidèle. Pas besoin d'imaginer toujours le pire. Je sais très bien comment est mon ami d'enfance. Je n'ai pas besoin de toi pour me l'expliquer. Hominis, je voulais dire... Je sais ce que tu veux dire. Sébastien s'attire assez d'ennuis tout seul. Il n'a pas besoin de toi. Sébastien va se faire passer un savon. J'aimerais bien trouver les clés qui me manquent. Je fouille. Réveillon.
j'aimerais vous enseigner Wingardium Leviosa. Il peut être utilisé pour faire léviter des objets pendant un court instant. Oh oui, ça m'intéresse. Pour effectuer quelques tâches préalables, venez me voir après les cours. Ça m'intéresse. Tentacule, venir utiliser une main sur plusieurs ennemis à la fois. Revelio. Tiens, forcément une clé pas loin. Leviosa. Revelio. Revelio. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminée. Je suis jamais venu ici. Copringo.
Revelio. Allez. Huit. Revelio. Revelio. Confringo. Action. Revelio. En route pour de nouvelles aventures. Revelio.
Je vais pas tarder. Parce que demain, je me lève tôt. Réveillon. Réveillon. Confringo. Action. Lumos. Je sais plus c'est lequel. Réveillon. C'est là. Lumos. Bien, je suis sûr. Là. Réveillon. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été incluse. J'espérais vous voir. Vous revoilà. Enfin. Le ministre Spavin parle plus qu'il n'écoute. Il radotait au sujet de dragons incontrôlables. Il refusait d'entendre parler des gobelins. À ce sujet... Professeur, tant de choses se sont passées depuis votre départ. Nick, quasi sans tête, m'a demandé d'aller chercher du roast beef avarié dans les cuisines. Du roast beef avarié? Oui, j'ai trouvé ça étrange aussi. Mais on a apporté le roast beef à Sir Podmore du club des chasseurs sans tête. Vous et... avez rencontré les chasseurs sans tête? Voilà qui est intéressant. Il oui. faut le... Ensuite, j'ai dû aller chercher la tête de Richard Shuka parmi les citrouilles pour qu'il me raconte comment il est mort. Puis-je savoir qui est ce Richard Shuka? Il a étudié à Poudlard, il y a longtemps. Il m'a parlé d'une grotte secrète. À l'intérieur, juste à côté du squelette de Shuka, j'ai trouvé les pages manquantes. Vous avez retrouvé les pages manquantes? Oui, et puisque Shuka avait suivi la carte qui s'y trouvait, en découvrant ces pages, j'ai découvert l'emplacement sur la carte. Ça va vous surprendre, mais cette pièce est située sous Poudlard. Pourquoi ne suis-je pas surpris? Allons-y. C'est la réponse que j'attendais. Oh, et nous aurons besoin du livre. Au fait, cette pièce s'appelle la salle de la carte. Et un portrait de Percival Rackham nous y attend. Le professeur Rackham.
J'ai hâte de le rencontrer. Comment ce Chouka a-t-il obtenu les pages du livre? De toute évidence, Peeves les a volées. Et Richard Chouka les lui a volées ensuite. Ah, oh, Peeves. Vous êtes bien intrépides, vous deux. Restez sur vos gardes. Et dire que ça a toujours été si près. Ça annonce prometteur. Une carte. Voilà Préolard. Et par ici, la forêt interdite. Et bien sûr, Poudlard, toujours majestueuse. Si seulement tu pouvais voir tout ça. Bonjour, professeur Rackham. Nous avons placé le livre sur le piédestal, comme vous le vouliez. Et voici mon mentor, le professeur Fig. Comment allez-vous, professeur Fig? Et vous? Comprenez-vous désormais pourquoi vous deviez revenir avec le livre? En effet, je comprends aussi pourquoi vous appelez cette pièce la salle de la carte. Avoir parcouru tout ce chemin prouve que vous possédez des capacités magiques extraordinaires. Leur potentiel et leur puissance vous seront révélés, si vous vous en montrez digne. L'emplacement des quatre épreuves apparaîtra, à terme, sur la carte. Elles mesureront vos compétences et vous donneront accès à des connaissances inestimables. Vous devrez les terminer par vous-même, sans aide. Vous souvenez-vous de ce que vous avez vu dans la pancine, dans mon coffre à Gringotts? Je me souviens d'avoir vu le souvenir, mais je ne m'en rappelle pas les détails. Mon ami Charles et moi-même parlions du porte-au-loin, et des épreuves créées pour qui pourrait voir les traces de magie ancienne. Charles est un autre des gardiens. Une désignation que nous nous sommes donnée il y a des siècles, étant donné les connaissances que nous avons été obligés de garder secrètes jusqu'à aujourd'hui. Alors, le coffre, la réserve de la bibliothèque, la découverte de cette salle, ce n'était pas des épreuves? Tout cela constituait une partie importante du processus, mais ce n'était pas une épreuve en soi. Le fait que vous soyez ici est néanmoins de bon augure. Les épreuves ont été conçues afin de garantir que le pouvoir et les connaissances que nous avons gardés secrets ne tombent pas entre de mauvaises mains. Elles mesureront votre talent, à la fois inné et acquis. Mais tout aussi important, ce dont vous serez témoin au cours des épreuves influencera ce que vous choisirez de faire avec ce que nous vous apprendrons. Il vous faudra de la patience, les épreuves ont beaucoup à vous apprendre. Cela prendra du temps. Je crains que nous ne puissions pas nous permettre d'attendre. Nous avons attendu si longtemps, professeur Fig. Quelques minutes de plus ne devraient pas... Sauf votre respect, monsieur, bien que je ne connaisse pas votre secret, je sais que cette jeune personne a vu des traces. Des traces d'une puissante magie noire maniée par les gobelins. Et nous avons rencontré un gobelin étonnamment puissant qui possédait une magie similaire alors que nous quittions votre coffre chez Gringotts. Il est peut-être déjà trop tard. Voilà en effet de graves nouvelles.
Dites-moi, faites-vous confiance au professeur Fig? Oui. Dans ce cas, étant donné votre considérable talent et tout ce que vous avez déjà accompli, nous allons commencer. L'emplacement de la première épreuve est sur la carte en dessous de vous. Le professeur Fig peut vous aider à trouver les épreuves, mais elles ne peuvent être réalisées que par une personne ayant nos capacités. Regardons un peu. Je connais cette tour. Elle n'est pas loin. Vous l'avez peut-être vue, vous aussi. Je ne crois pas. Peut-être que cette jeune personne n'a pas autant voyagé que vous le pensez. En tant que mentor, le moins que je puisse faire est de m'assurer que ce soit sans danger. Rejoignez-moi dès que possible. Vous dites que vous connaissez cette tour. Que pouvez-vous m'en dire? Pas grand-chose, je le crains. Je suis passé devant bien souvent. Elle est au nord de Préolard. Dans mes souvenirs, elle avait l'air abandonnée. Mais de toute évidence, cette tour cache bien des secrets. Je vous retrouverai à la tour dès que possible. D'ici là, faites attention. Et ne dites à personne où vous allez. Je pense que je vais me stopper là. Je suis éclaté. Il est temps d'apprendre Glacius, le sortilège d'immobilisation. C'est un moyen efficace de calmer le jeu lorsque la situation s'envenime. Mais d'abord, j'ai quelques tâches à vous confier. Revenez me voir lorsque vous les aurez terminées. Vous devriez vous réjouir. Vous avez préparé beaucoup de potions.